Salut à tous les amis, l'heure est grave. Sony vient d'augmenter ses tarifs pour son abonnement PlayStation Plus et pas qu'un peu. On va regarder ça tout de suite ensemble. Et bien évidemment, si vous voulez prolonger votre abonnement, il faudra le faire avant le 6 septembre. Donc sur son blog américain, Sony, en même temps de l'annonce des trois jeux du mois de septembre qui sont Saints Row, Black Desert et Génération Zéro, nous la glisse en douce juste en dessous. Hein. Hop. Voilà, il faut descendre un petit peu. L'augmentation des tarifs. Donc, je vous mets la page en français. Nous voulons également vous informer qu'à partir du 6 septembre, nous augmenterons le prix des abonnements PlayStation Plus de 12 mois dans le monde entier pour tous les plans d'avantages. Cet ajustement de prix nous permettra de continuer à proposer des jeux de haute qualité et des avantages à valeur ajoutée à votre service d'abonnement PlayStation Plus. Donc ça concerne que les abonnements 12 mois. Du coup, on peut voir que le PlayStation Plus essentiel, il passera à 72 euros, j'arrondis, hein, 71,99 €. Le PlayStation Plus Extra, il passera à 126 euros et le Premium, il passera à 152 euros. On va regarder combien ça coûtait avant. Donc, le essentiel, avant, il coûtait 59,99 €. Là, on est à 72 euros. Donc, il était à 60 euros. Donc, c'est 12 euros d'augmentation. C'est 1 euro par mois. Ça reste toujours moins cher que l'abonnement mensuel ou par 3 mois. Mais ça fait quand même une belle augmentation de 20%. Sur le Extra, qui, à mon goût, est le plus intéressant par rapport au service qu'il propose, il était à 99,99 €, donc il était à 100 euros et là il passe à 126 euros, soit une augmentation de 26%. Ça pique, c'est franchement c'est énorme. Et le premium, lui qui était à 120 euros, il passe à 152 euros, ce qui nous fait une augmentation également d'un peu plus de 26%. Donc je résume, on a le essentiel qui prend 12 euros dans la tronche, on a le extra qui prend 26 euros dans la tronche. Et on a le premium qui prend 32 euros dans la tronche. Donc, est-ce que c'est justifié? Je sais pas. Et comme on voit, hein, on voit que le extra et le premium, c'est ceux qui ont pris le plus cher. Mais parce que l'extra, je pense, c'est là où il y a le plus de monde. Parce que les avantages sont les plus intéressants. Personnellement, je trouve que le premium, il n'est pas du tout intéressant. Les avantages sont vraiment minimes. Du coup, faut pas se leurrer. Hein. C'est leur modèle économique à toutes ces entreprises qui font les offres téléphoniques, par exemple, ou les streaming comme Netflix ou Disney+, qui vendent peu cher, voire même à perte, pour attirer un maximum de clients vers eux. Et puis quand ils ont une grosse base d'utilisateurs, et ben là, ils vont augmenter leurs tarifs. Et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Et ben les gens, en fait, ils vont rester, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'ils vont avoir la flemme de faire les démarches, parce qu'ils n'ont pas terminé leur série en cours. Et finalement, il n'y en a que très peu qui vont quitter le navire. Et entre ceux qui vont se désabonner et tous ceux qui vont payer plus cher, et ben en fait, ils vont y gagner. Ils vont y gagner énormément. Il n'y a pas beaucoup de monde qui, au final, vont faire les démarches pour partir. Et la majorité des gens vont rester. Après, il faut peut-être relativiser avec le prix de base qui était peut-être pas assez élevé. Mais c'est leur modèle économique. Alors, je sais qu'en disant que le prix de base était peut-être pas assez élevé, je vais me faire allumer. Hein. Il faut juste prendre conscience en fait de l'offre, essayer d'être objectif. On nous propose un abonnement à 100 euros, ce qui est une somme conséquente, hein, faut dire. Après, c'est annuel, donc c'est par an, tu divises par mois, ce qui représente un peu plus de 8 euros par mois. Alors, qu'est-ce que ces 8 euros par mois nous offrent? Eh bien, ils nous offrent la possibilité de jouer en ligne. Bon, certes, ça, avant, c'était un service gratuit, donc ça fait un petit peu chier de payer pour ça. Mais surtout, on a 3 jeux offerts tous les mois, plus ou moins bons. Ce mois-ci, au mois d'août, il y avait Death Door qui était vraiment sympa. Les deux autres, bah, j'ai accroché moins bien. Mois de septembre, il n'y en a pas un qui m'intéresse. Je vais peut-être tester Black Desert, mais voilà. Mais surtout, avec le Stra, on a droit à un catalogue de jeux assez conséquent. Donc là, c'est la liste de tous les jeux disponibles dans le Premium et dans le Extra. Donc comme vous pouvez le voir, il y en a quand même pas mal. Hein. On n'est que sur les A, les B, les C. Donc il y a quand même une belle liste de jeux. Si parmi tout ça, vous ne trouvez pas deux jeux par an, il y a un problème. En plus des trois titres offerts tous les mois. Car il faut se dire que 100 euros, voire 126 euros maintenant, bah, c'est deux jeux neufs. On est à 70 balles le jeu, 80 balles le jeu. Ça nous fait 140, voire 160 euros avec deux jeux. Et là, on a un an, on a accès à tout le catalogue et on a tous les mois trois jeux offerts. Donc il faut relativiser, oui, c'est un abonnement qui est cher, on est abonné partout, et les entreprises l'ont bien compris, hein. Mais c'est le modèle économique d'aujourd'hui, maintenant c'est tout par abonnement, et c'est limite à l'excès, tu veux avoir Word, c'est fini, tu ne peux plus l'avoir définitivement sur ton PC, il faut avoir Office 365 pour avoir les dernières mises à jour. Moi, Word 2010, ça me va très très bien, j'ai pas besoin d'avoir les dernières mises à jour de Word.
Mais sauf qu'on nous laisse pas le choix en fait. Maintenant c'est tout par abonnement. Adobe c'est par abonnement, ça coûte un bras. Netflix c'est par abonnement, ton opérateur téléphonique c'est par abonnement. Les voitures maintenant c'est par abonnement, tout est par abonnement. Et en fait c'est des petites sommes en fait, on se rend pas compte, c'est des petites sommes et tout cumulé en fait ça fait beaucoup. Donc attention au piège des abonnements, ne vous laissez pas avoir. Donc sélectionnez bien, ça sert à rien d'avoir 36 000 plateformes de streaming. Vous imaginez s'il faut s'abonner à toutes les plateformes, que ce soit Amazon Prime, que ce soit Netflix, que ce soit Disney+, que ce soit OCS, etc, etc. Ça fait beaucoup, c'est beaucoup trop cher. Donc soyez vigilants. Sélectionnez ce dont vous avez réellement besoin. Moi, j'ai besoin du PlayStation Plus parce que je joue beaucoup à ma PlayStation. Je trouve que finalement, même si c'est 126 euros, c'est une augmentation de 26%, ça fait chier. Mais l'offre, je pense qu'elle est correcte par rapport à ce qu'ils proposent. Par contre, pour Nintendo, je prends pas l'abonnement. Je ne joue pas assez à la Switch. Et du coup, pour moi, c'est pas intéressant. Donc, je ne prends pas d'abonnement pour ma Switch. Donc, pour ceux qui veulent continuer à utiliser les services de PlayStation, eh ben, je vous conseille d'augmenter la durée de votre abonnement actuellement et de le faire avant le 6 septembre. Pourquoi ? Parce que si vous augmentez la durée de votre abonnement aujourd'hui, vous paierez le prix actuel. Que si vous le faites après le 6 septembre, et ben là vous paierez le nouveau prix. Je vous rappelle que c'est cumulable. Si vous reste par exemple 6 mois d'abonnement et que vous prenez 12 mois, et ben vous aurez un an et demi d'abonnement avant de devoir renouveler. Donc là je vais aller sur ChocoMonPlan et vous allez voir qu'il y a quelques offres pour payer un petit peu moins cher. Donc là par exemple on a une carte PSN 60 euros qui ne coûte finalement que 52 euros ou une autre carte de 120 euros qui vous coûte 103 euros. Donc là vous avez un an d'abonnement extra. Donc voilà, je vous invite à aller checker de temps en temps sur ChocoMonPlan, j'aime bien aller faire un tour. Il y a quand même pas mal de petites offres, sinon il y a Deal Labs aussi qui propose des offres. Donc allez checker sur ces sites, il y a souvent des promos sur les cartes PSN et ça va vous permettre de recharger votre compte. Et je vous ai également préparé une vidéo pour vous montrer comment gagner des cartes PSN gratuites, du moins de l'argent sur votre compte PSN gratuitement. Et ben, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, faites bien vos calculs et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao. Eh, mais t'as pas oublié quelque chose par hasard? Si t'as aimé cette vidéo, n'oublie pas de lâcher un énorme pouce bleu. Quoi? Mais t'es pas encore abonné? Pense à le faire en cliquant juste ici. Et si tu ne veux rien rater des prochaines vidéos, pense à activer la cloche de notification juste là. Et tu pourras également me retrouver sur Twitter, autant pour moi sur X, tu trouveras le lien en description.